Alléluia, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, bien-aimés, bonsoir, soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons la voix, nous prions. Tendre Père, merci pour ces moments glorieux, pour ces moments de paix, de grâce. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Nous recommandons ces moments entre ta main. Ô Dieu miséricorde, ô Dieu de vérité, règne. Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle de toutes choses, sois au centre de notre réunion de ce soir, Seigneur, et nous te recommandons toutes choses, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons ces moments précieux, ces moments glorieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Laisse que, Seigneur, ce soir, toi seul, tu te manifestes, toi seul, tu descends et tu agis encore puissamment dans nos vies, Seigneur. Père, ce soir, nous voulons voir le Saint-Esprit nous toucher. Nous voulons voir le Saint-Esprit prendre place. Je veux voir le Saint-Esprit envahir ma vie là où je suis. Et que, Seigneur, je sois touché par toi. Et que, Seigneur, je sois rempli de toi seulement. Je sois rempli de bonnes pensées. Je sois rempli de la force. Je sois rempli de la paix. Je sois rempli du feu. Je sois rempli de la puissance. Je sois rempli de l'autorité du Seigneur. Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la peur me quitte, le doute nous quitte, Seigneur. Tout ce qui pouvait nous faire peur, pouvait nous arrêter, nous quitte. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Toi qui es notre Dieu, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as délivrés du ténèbre, Seigneur, ce soir, nous invoquons ton Saint-Nom, Père. Ce soir, nous invoquons ton Saint-Nom, le Dieu de notre salut, le Dieu de ma force, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a délivré, le Dieu qui m'a racheté de la mort, le Dieu qui m'a repêché. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, dans toute ta gloire. Remplis-nous de toi et que ton esprit, Seigneur, prenne place, prenne contrôle de toutes choses à l'instant même. Seigneur, toute personne qui nous suit, qui est malade, qui a des soucis, qui a des attaques, qui traverse des moments difficiles, Père, nous prions que la paix lui soit accordée. Père, nous prions que la visitation soit dans sa vie. Saint-Esprit, visite mon bien-aimé maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu, sois béni, sois élevé. Toi notre Dieu, toi notre force, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Voilà, bien-aimés, ce soir, nous sommes dans notre deuxième partie de message où nous sommes en train de parler que le diable, les attaques de Satan visent nos points forts. Nos points forts, nous sommes dans point 2, deuxième partie, le point fort d'un chrétien. Nos points forts, c'est ça, c'est par là que Satan vient pour nous attaquer. Ces attaques visent ce point-là. Sache-le que toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as des points forts et tu as aussi des points faibles. Le premier, le point faible, l'ennemi le sait. Le point fort, c'est là où tu résistes, là où c'est difficile pour lui. Et Satan vise, Satan attaque ce point-là, ce point fort. Ce point fort, c'est quoi? C'est ta fidélité. Le point fort, c'est la crainte de Dieu. Le point fort, c'est tu ne veux pas pécher. Tu résistes au péché, tu fuis le péché. Le point fort, tu ne veux pas adorer d'autres dieux. Le point fort, ta vie est consacrée au Seigneur et non à n'importe qui. Ton point fort, c'est de lui laisser la place, tu laisses la place à Dieu seul dans ton cœur. Et Satan combat cela. Satan sait que c'est des points forts. Il a besoin de te ôter. C'est là, dans ton esprit, dans ton cœur. Il vient pour te combattre. Il vient pour t'empêcher. Il vient pour te bloquer. Il vient pour te compliquer. Il vient pour te montrer, oh, de laisser tomber, d'abandonner ou de pécher ou de renier Dieu. Voilà, bien-aimé. Le point fort que Satan attaque dans notre vie, c'est notre foi.
ta foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset, la foi est une ferme d'assurance, une démonstration. Tu es ferme dans ta foi, tu es ferme dans ta marche chrétienne. Satan vient te combattre pour que tu tombes dans ta marche chrétienne. Satan vient combattre pour que tu tombes dans ta foi chrétienne. Et ce soir, nous sommes dans notre deuxième partie de message. Dans notre deuxième partie de message, nous voyons que ce soir, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne des vies que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Après avoir résisté, il recevra la couronne de la vie. Voilà, c'est la résistance. Après avoir résisté, après avoir supporté, résisté, tu recevras cette couronne. Dans Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Et ce soir, nous parlons de la vie de Joseph. Nous parlons de la vie de Joseph, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, tous nous connaissons. Tous nous connaissons Joseph. Qui est Joseph? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? La vie de Joseph, Joseph c'est ce jeune homme que ses frères ont jeté, que ses frères ont vendu. Ils sont venus voir leur père pour dire à leur père que non, ton fils que tu aimais beaucoup, Joseph, ton fils n'est plus. Ils ont donné des explications qu'ils pouvaient donner. Et Jacob était par terre. Mais or, ses frères l'ont vendu. Voilà ces jeunes hommes, ils l'ont vendu. Mais ses frères ont menti aux parents. Et ce soir, nous sommes dans Genèse, chapitre 39. La Bible nous dit, quand Joseph fit descendre de l'Égypte, quand il est venu en Égypte, oh, il y avait l'officier de Pharaon qui était l'un des chefs des gardes. Et cet homme a pris Joseph. Et la Bible dit dans verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite accompagnait aussi Joseph. Et cette réussite était aussi dans cette maison, dans la maison de cet homme qui avait accueilli Joseph. Dans la maison de cet homme qui a accueilli Joseph, la réussite aussi avait continué. Parce que l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel marcha avec Joseph. Malgré qu'ils l'ont vendu, malgré qu'il est passé de main d'autres personnes, des étapes et des étapes, l'Éternel était avec lui. Parce que cet homme avait déjà la crainte, avait déjà une relation quelque part avec Dieu. Cela n'avait pas commencé hier, ni en Égypte, mais cela a commencé depuis. Lorsqu'il était tout autour de la maison familiale, c'est lui qui a vu la vision où son étoile, où il y avait les étoiles de ses frères, toutes ses étoiles étaient tout autour de lui. Et se prosterna. Et ses frères ont eu de la haine, de la colère. Ils l'ont vendu. Voilà cet homme, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Et la maison là où Joseph était, tellement l'Éternel était avec lui, cette maison aussi était bénie. La Bible dit que, verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel faisait réussir entre ses mains. Tout ce que Joseph touchait, l'Éternel accordait la réussite. L'Éternel approuvait. L'Éternel bénissait. L'Éternel faisait de merveilles dans le maître de Joseph, lui qu'on avait vendu, lui qui était sous la domination égyptienne, chez un officier. La Bible nous dit,
Oh, verset 4, et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il trouva grâce, il l'employa à son service. Et il lui a confié les biens, tous les biens. Tous les biens. Il a même rétabli, il a même établi Joseph comme responsable de sa maison et de tous ses biens. Et l'Éternel Dieu, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous les biens de cet homme. Et dans sa maison, dans le champ, il y avait une abondance de bénédiction. Parce qu'il y avait un homme, Joseph. Joseph qui était avec Dieu. Et voilà, bien-aimé, la Bible nous dit, Joseph était beau. Donc, tout ce qui touchait était beau, c'était vraiment merveilleux, tout était parfait. Mais verset 7, après cela, la femme de son maître porta des yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Voilà, bien-aimé, c'est là maintenant, bien-aimé, notre prière de ce soir. Ta prière doit se baser. Il y a des choses, Dieu est avec toi. Il y a des choses, Dieu te bénit. Il y a des choses, Dieu t'élève. Il y a des choses, Dieu ouvre les portes. Il y a des choses, Dieu te montre. Il y a des choses, Dieu t'enseigne. Tout ce que tu touches, c'est la réussite. Tout ce que tu vois, Dieu te les accorde facilement. Peut-être tu deviens orgueilleux. Peut-être tu changes de caractère. Peut-être tu changes de comportement. Peut-être tu deviens une personne incontrôlable. Parce que Dieu t'exauce, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu t'a montré, parce que Dieu t'a guidé. Voilà ici Joseph bien-aimé. Joseph était là. Joseph a vu. Et cette femme, Joseph faisait beaucoup de choses que Dieu bénissait. Mais cette femme avait les yeux fixés sur lui. Peut-être si c'était nous, comme dans cette époque, aujourd'hui, peut-être tout de suite, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce que j'ai fait, Dieu m'exauce, Dieu m'entend. Oh, c'est bon, je suis prêt. Cet homme, Joseph, bien-aimé, il le refusa et lui dit, mon maître, mais prends comme, oh, le maître, il dit, il refusa de lui. Il refusa. Il dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous les biens. Il m'a confié tous les biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Mais il m'a interdit. Il m'a interdit. Sauf toi parce que tu es sa femme. Voilà la réponse de Joseph. Et tellement Joseph était ferme, tellement Joseph était déterminé, tellement Joseph avait la crainte de Dieu, tellement Joseph respectait son maître, voilà cette femme va créer des histoires. Cette femme va créer tout un tas d'histoires contre Joseph et son maître va mettre Joseph en prison parce que cette femme avait un autre plan. Cette femme avait un autre plan dans sa tête contre Joseph. Mais Joseph, en tant qu'un enfant de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, Joseph a refusé de coucher avec cette femme, a refusé d'obéir à l'appel de cette femme bien-aimée. Et ils l'ont jeté en prison. Mais bien-aimé, lorsque tu résistes aux attaques de Satan, on peut même faire des complots, on peut même t'arrêter, on peut même te jeter en prison, on peut même te ramener loin, on peut même te montrer que c'est terminé, on peut même t'humilier. Mais sache-le, bien-aimé, lorsque tu résistes, sache que ta victoire est grande, sache que ton élévation est grande, sache que tu vas aller de gloire en gloire. Et nous voyons que Joseph,
en prison, cet homme qu'ils ont arrêté, oh, dans la prison, Dieu préparait autre chose pour lui. Dieu a préparé autre chose. Dieu l'a passé l'étape à l'étape. Il a dit, première étape, c'est bon. Deuxième étape, c'est bon. Tu as reçu. Tu as la réussite. Tu as la victoire. Tu as résisté à la tentation. Voilà maintenant, je ferai de toi un grand homme jusqu'au sommet du pays. Malgré dans la prison, Joseph est sorti là-bas. Il est devenu l'un des plus grands ministres en Égypte. Voilà, bien-aimé. La fidélité à notre Dieu paye. La crainte de Dieu paye. Et Satan va attaquer ce point fort. Et Satan nous attaque parce qu'il sait que tu es déterminé dans ta foi. Tu es ferme. Tu crains Dieu. Tu veux le servir. Tu veux le voir. Il viendra, il passera par des hommes pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu, pour t'empêcher d'être visité, pour t'empêcher d'être touché, pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, de vivre le feu, l'amour, de vivre la sainteté, de vivre la vérité, de vivre la puissance de Dieu. Voilà ce qu'il a fait à Joseph. Mais toi et moi ce soir, nous devons prier. Nous devons prier. Oh, dis Seigneur. Oh, je vois tout ce que tu fais tout autour de ma vie. Tu me fais du bien. Tu fais du bien à ma maison. Tu fais du bien à mes enfants. Tu fais du bien à mon mari. Tu fais du bien à mon avenir. Mais Seigneur, il y a des tentations. Il y a des propositions qui viennent de gauche à droite. Mais si je continue ainsi, Seigneur, si je continue ainsi, Seigneur, je vais perdre cette grâce que tu m'as accordée. Je vais perdre la bénédiction. Je vais perdre la santé. Je vais perdre même l'endroit où Dieu a préparé pour moi. Si c'est un lieu élevé, si c'est un lieu de gloire, tu risques même de perdre. Tu n'arriveras pas là-bas. Mais toi, tu dois prier, Seigneur, je vais y arriver. Je vais y arriver, Seigneur, mais pas seul, mais avec toi. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Avec toi, Seigneur. Avec toi, ô Seigneur. Ô Seigneur Jésus, donne-moi la force. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de résister à toutes ces paroles, à toutes ces personnes qui viennent avec des propositions, qui me poussent à pécher pour que je ne puisse pas obtenir ma bénédiction, qui me poussent même à être en colère, qui me découragent même dans la vie chrétienne. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car bien-aimé, Joseph pouvait être découragé. Joseph pouvait même dire, oh mon Dieu, regarde. Joseph même pouvait même haïr. Il pouvait même tout faire à cause de cette femme a menti que voilà son homme, que voilà, tu as ramené un étranger dans la maison, cet étranger m'a fait ceci. Et oh, cette femme a accepté de dire des mensonges pour que Joseph soit chassé, pour que Joseph soit en prison. Voilà, bien aimé, c'est la plupart des gens. Peut-être toi on t'a accusé quelque part, parce que toi on t'a accusé dans le monde des ténèbres. On t'accuse devant les hommes, on t'accuse devant le tribunal impu de Satan, on t'accuse même devant la famille jour et nuit, pour que tout le monde commence à te maltraiter, pour que tout le monde commence à te mettre mal à l'aise. Ils savent que tu es fort, tu es forte. Ils savent que ce que tu dis c'est vrai, tes paroles sont vrai, tu dis la vérité, mais ils vont tout faire pour te décourager. Peut-être, oh, tu tombais dans leur piège. Peut-être tu tombais aussi dans toutes ces choses-là. Tu abandonnais, tu prenais du recul, tu reculais, tu disais non, c'est bon, j'en ai marre, je suis fatigué, je ne veux plus. Mais ce soit pris, commence à briser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, Joseph a terminé, malgré dans la prison, mais il est devenu l'un des ministres. Il a travaillé à côté de Pharaon. Il a travaillé à côté de Pharaon. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé, bien-aimé. Dieu l'a élevé parce qu'il était fidèle. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il avait la crainte de Dieu. Oh, que Dieu t'élève à cause de ta fidélité envers Dieu. À cause de la crainte que tu as envers Dieu. Que Dieu t'élève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu t'élève parce que tu es fidèle en lui. Que Dieu t'élève parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, ce soir que tous les attaques de Satan qui visaient tes points forts. Premier point ce soir, c'est la crainte de Dieu, la fidélité en Dieu. Oh, tous ces points que Satan visait parce que tu avais la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous brisons ces attaques, 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 nous brisons ces attaques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tout ce que l'ennemi disait sur ma vie, tout ce que l'ennemi avait planifié pour me décourager, pour me décourager, pour me pousser à pécher, pour me pousser à tomber, pour me pousser, Seigneur, à abandonner la prière, pour me pousser à abandonner, Seigneur, ma marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes ces attaques. Les attaques par les paroles, les attaques par des messages, les attaques écrites, les attaques, Seigneur, visibles par les accusations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je viens chasser cela. Oh mon Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. La vérité est plus grande que le mensonge. La vérité est plus puissante, bien-aimé, que le mensonge. La vérité est plus efficace, bien-aimé, que le mensonge. Que tous ceux qui se lèvent comme la femme de Potiphar pour t'accuser, les femmes de Potiphar pour t'accuser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui ont vu l'étoile de Dieu en toi, ceux-là qui ont vu la main de Dieu en toi, ceux-là qui ont vu la puissance de Dieu, ceux-là qui viennent pour te décourager, ceux-là qui viennent pour te tenter, pour que tu tombes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens briser leurs attaques, je viens briser leurs menaces, je viens briser au nom de Jésus, que Dieu te donne la force, deviens de plus en plus fort, deviens de plus en plus fort, devient 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 de plus en plus fort, en résistant au diable, en résistant aux attaques, en résistant aux tentations, en résistant aux mensonges, en résistant aux manigances diaboliques, sataniques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À chaque fois quand tu veux prendre l'envol, tu es ralenti. À chaque fois quand tu essaies d'avancer, tu es ralenti à cause de ces hommes, à cause de leurs paroles, à cause de leurs méthodes, à cause de leurs attaques, à cause de leurs tentations, tu es ralenti. Mais ce soir, commence à briser l'esprit de ralentissement. Tous ceux qui ont voulu ralentir ta vie, tous ceux qui ont voulu te ralentir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Toi, l'esprit de ralentissement, l'esprit de retard, je te chasse dans ma vie, je te chasse dans ma vie. Toi qui venais me retarder avec des mauvaises pensées, avec le péché, avec des mensonges, avec des choses qui me faisaient mal pour que je n'avance pas dans la vie, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es brisé, tu es détruit, tu es bloqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, la Bible dit dans Daniel chapitre 11, verset 32. Oh, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Toi qui connais Dieu, le Dieu qui t'a sauvé, celui qui t'a donné la vie, tu dois agir avec fermeté. Tu dois agir avec fermeté. Tu dois agir avec fermeté.
Commence à prier maintenant. Commence à déclarer. Oh, je reste ferme. Je reste ferme. Ma foi reste ferme. Oh, ma fidélité envers Dieu doit rester ferme. Ma relation envers Dieu, une relation ferme. Je suis déterminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je refuse. Et je refuse de donner la place. De donner la place aux hommes, aux esprits maléfiques de trafic d'influence. Ceux-là, Seigneur, ceux-là qui venaient prendre mes idées pour m'affaiblir, mes paroles pour m'affaiblir, ma santé pour m'affaiblir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui m'attaquaient, Seigneur, moralement, ceux-là qui m'attaquaient, Seigneur, spirituellement, ceux-là qui m'attaquaient, oh Seigneur, physiquement, ceux-là qui m'attaquaient, oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je suis plus ferme, je suis ferme, je suis ferme, je suis plus fort, je suis plus fort et je reste déterminé, je suis déterminé que leurs attaques ne me feront rien, ne me feront rien au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'Éternel Dieu double mes forces, mes points forts soient doublés, ma vigilance soit doublée au nom de Jésus, que lorsque l'ange de Satan qui viendra pour me tenter, qui viendra pour m'attaquer, Seigneur, il sera démasqué. Il sera démasqué. Il sera démasqué. Au nom de Jésus. 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 Toi qui avais perdu des points forts. Toi qui avais perdu tes points forts. Tes points forts sont devenus des points faibles. Tes points forts sont devenus des points faibles. Il n'y a plus rien de fort en toi. Il n'y a plus de points forts en toi. L'ennemi te prend. L'ennemi t'attaque quand tu veux. L'ennemi te détruit quand tu veux. L'ennemi te brise un morceau quand tu veux. Aujourd'hui, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Regarde ta vie, commence à prier, commence à prier. Regarde tout autour de toi, tous les points faibles qui étaient en toi, tous les points faibles qui étaient en toi, tous les points forts que l'ennemi a rendus faibles, tous les points forts que l'ennemi a rendus faibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons le cas, par exemple, Job. Job était un homme fort, un homme qui avait tout, qui avait la richesse, qui avait tout, qui était en paix. Mais lorsque Satan l'a touché, lorsque Satan a touché la vie de Job, Job était par terre. Peut-être toi aussi, tu avais des moyens, mais quelque chose s'est passé. Tu as tout perdu. Oh, ressaisis-toi ce soir et je prie que mon Dieu te relève 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 et je prie que mon Dieu te redonne la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu as perdu tout, tu commences même à faire des prières, oh, à ne plus prier, à abandonner même la prière, à ne plus entendre parler de Dieu. Tu es devenu une personne sans espoir, tu commences à désespérer. Ressaisis-toi ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la force. Peut-être tu te dis, Seigneur, tout ce que j'ai touché, il y avait la réussite. Mais ce soir, oh, tu regardes ta vie, tu te dis, tout ce que je touche, il n'y a plus de réussite, il n'y a que le chèque, il n'y a plus l'avancement, il n'y a plus la victoire, il n'y a que le chèque. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu te donne la force ce soir, que Dieu te visite pour que le succès revienne dans ta vie, pour que l'espoir revienne dans ta vie. Au nom de Jésus, si tu avais tombé, si tu avais péché, que Dieu te pardonne et que Dieu te relève, que Dieu te relève et que tes points forts qui sont devenus des points faibles, tes points de victoire, tes points de bénédiction qui sont devenus des points bizarres, des points maudits, des points de chèque, que Dieu te les accorde. Oh, que Dieu t'accorde la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Relève-toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être tu étais une personne où les hommes avaient confiance en toi, où les hommes t'ont fait confiance, le monde t'ont fait confiance. Mais à cause d'une parole, à cause d'une personne qui est venue vers toi, oh les hommes, oh tu as perdu confiance. Les hommes ont même perdu confiance. Voilà,
Joseph. Joseph était là, son maître avec confiance. Mais à cause de cette femme qui est venue rapporter de mensonges, tout le monde a perdu confiance. Tout le monde a cru. Tout le monde a cru. Ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en prison. Voilà, bien-aimé. Peut-être toi aussi. Tout le monde t'a mis en prison. Tout le monde t'a mis en prison. En prison de rejet. Tu es dans ton coin. Tu es dans ton coin. Personne ne veut te parler. Personne ne veut te voir. Personne ne veut t'écouter. Personne ne veut te considérer. Brise cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, ce soir, nous brisons, nous détruisons toutes ces paroles, tous ces propos, tout ce que les hommes disent, tout ce qu'ils ont mis en place, oh, pour nous décourager. Oh Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, 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 Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Oh, si j'étais dans une prison, si j'étais dans une prison, si j'étais dans une prison comme Joseph, oh, ce soir, je sors de cette prison, je sors de cette prison, je sors de cette prison. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Seigneur, ce soir, je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Là où on m'avait mis. Là où on m'avait mis, Seigneur. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Il n'y a que toi qui peux me sortir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, vous savez, oh, avec ce thème, Dieu est bon. Oh, les attaques de Satan qui visent nos points forts. Voilà Adam et Ève, eux qui étaient dans le jardin à cause du péché, à cause de désobéissance à Dieu. Ils sont sortis. Ils furent chassés du jardin. Peut-être toi aussi. Nous voyons aussi Joseph. Il était dans la maison de son maître, mais Joseph fut chassé. Il fut chassé de la maison de son maître. Oh, bien-aimé, il se retrouvait en prison. Peut-être toi aussi. Tu étais dans une bonne situation. Oh, tu es chassé de la bonne situation, c'est la misère. Peut-être toi aussi, tu avais des moyens, le moyen, oh, tu n'as plus le moyen, oh, tu es sorti, maintenant tu te retrouves dans une situation compliquée. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu te touche, que mon Dieu te relève, que mon Dieu change ton histoire, que mon Dieu change ton histoire, même si tu étais vers le... Oh, dans le coin là où il y avait des prisonniers du roi, dans le coin là où il y avait des prisonniers de tout le monde, que mon Dieu te touche, que mon Dieu te visite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soir, ta vie, oh, ta vie prenne une nouvelle dimension, ta vie prenne une nouvelle forme, ta vie soit, oh, une vie, oh, remplie de la grâce de Dieu, remplie de la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimé, prie. Prie là où tu es, prie. Oh, dis-lui, Seigneur, dans cette prison, Seigneur, là où je suis, fais-moi sortir de là où je suis, fais-moi sortir dans cette situation où je vois rien de bon, où je vois plus la paix, où je vois plus la joie, où je vois plus le bonheur, où je vois plus la gloire de Dieu. Seigneur, fais-moi sortir de là. Seigneur, fais-moi sortir de là. Que ta main me fasse sortir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on t'a mis dans une prison pour que tu deviens faible. Si on t'a mis dans une prison pour que tu abandonnes. Si on t'avait mis dans une prison pour que tu arrêtes de prier. Commence à prier maintenant. Dis-lui, Seigneur, fais-moi sortir de là. Seigneur, fais-moi sortir de là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis Seigneur mon Dieu, agis Seigneur, car tu me connais, tu connais comment je te crains, tu connais comment Seigneur je suis resté fidèle en ton nom, tu connais comment Seigneur je suis resté fidèle en toi, fais-moi sortir de là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Joseph dans la prison, il a été placé bien-aimé, à côté du prisonnier du roi, aujourd'hui Seigneur, fais-moi sortir.
Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Car l'ennemi l'ennemi vise mes points forts. L'ennemi vise la crainte de Dieu que j'ai en moi. L'ennemi vise, ô Seigneur, la paix que tu m'as accordée. L'ennemi vise ta puissance dans ma vie. L'ennemi vise ta volonté en moi. L'ennemi vise, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur. L'ennemi vise tout ce que tu m'as donné. Fais-moi sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Papa, le point fort, c'est toi qui me les as donnés. La sagesse, c'est toi qui me les avais donnés. La paix, c'est toi qui me les avais donnés. Voilà l'ennemi me combat. Voilà l'ennemi combat ma paix. La paix que tu m'as donnée. Voilà l'ennemi combat la bénédiction dans mes mains que tu m'as donnée. Voilà l'ennemi combat ma santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, de toutes ces personnes, de tout ce monde qui veulent s'en prendre à ma vie, qui veulent s'en prendre à ma santé, qui veulent s'en prendre à mes points forts, qui veulent s'en prendre à ma foi. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, pour ce soir. Soyez bénis, nous allons continuer. Nous allons continuer série de prières. Oh, car l'ennemi vise nos points forts. L'ennemi s'attaque. Les attaques sataniques. Peut-être tu étais intelligent, tu as perdu l'intelligence. Peut-être tu étais une personne avec un avenir meilleur, tu as tout perdu. Oh, le rêve est brisé. Quelque chose s'est passé à briser le rêve que tu avais, à briser cette vie que tu avais, que tu espérais avoir. Le rêve est brisé en cours de chemin. Voilà, Joseph avait perdu la considération de son maître. Son maître était en colère. Il a décidé de le mettre en prison. Voilà, peut-être toi aussi. On t'a rejeté après quelque chose. On t'a rejeté après avoir déshonoré une personne ou une famille, une maison, un frère, une sœur. On t'a rejeté. Et tu te sens délaissé, tu te sens en prison. Tu te sens seul et tu pleures. Que la main de mon Dieu te localise. Que la main de mon Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la paix, reçois encore la visitation divine, reçois encore la grâce de Dieu, reçois encore la bénédiction de Dieu. Que mon Dieu te relève, que mon Dieu, te visite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à demain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye, bye bye.